Bonsoir à toutes et à tous. Et désolé pour ce contretemps, on a eu quelques soucis techniques. Bonsoir à toutes et à tous sur ce nouveau webinaire donc organisé par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et son service Via le Monde et le CRID. Ce séminaire, ce soir, il a pour enjeu de questionner la solidarité internationale dans cette crise sanitaire, mais c'est aussi une crise multidimensionnelle, une crise économique, une crise sociale, une crise politique. Et les organisations de solidarité internationale, peu importe leur forme et peu importe où elles sont dans le monde, ont été fortement impactées ces derniers mois et très certainement pour les mois, voire les années futures. On souhaitait donc prendre un temps de discussion pour mettre en perspective ces organisations, autant, comme je le disais, des petites organisations que des grandes organisations. Ce soir, avec nous, pour ce faire, on a avec nous donc, Abel Sadi, vice-président en charge des affaires internationales du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, également maire de Bobigny. Gustave Massia, donc, pour le CRID, on ne présente plus Gus, mais... Gus est à la fois membre du conseil scientifique d'ATTAC, fondateur du CD Team, ancien président du CRID et figure tutélaire de l'altermondialisme, si je peux te présenter comme ça, Gus. Également Gérald Gaudreuil, donc, qui est délégué général de la Fédération Artisans du Monde. Binta Danfa, qui est chargée d'études au service international de Via le Monde. Et enfin, si elle peut nous rejoindre parce qu'on a des problèmes de connexion, Bintou Diarra, qui est fondatrice de l'association Mejles. Pour commencer, donc je donne la parole à Abdel Sadi, du coup, pour nous faire une introduction. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, apparemment, vous m'entendez. Mais je pense, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas en réalité. On t'entend très bien, Abdel. Ah, d'accord, ok, super. Parce que comme je suis dans mon bureau, donc du coup, et je ne suis pas seul parce que ce soir, je suis aussi en permanence et je reçois des habitants. Hein. Je suis le maire de la ville, je suis le conseiller départemental et le vice-président en charge de la coopération sur le département de la Seine-Saint-Denis. J'ai juste envie de dire d'abord, comme une évidence, dans le département du monde, j'ai un peu l'habitude de dire aux personnes avec qui... je dialogue ou que je reçois que la Seine-Saint-Denis, c'est le département, d'abord le département des paradoxes, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, la Seine-Saint-Denis, c'est un département riche parce que c'est le septième contributeur au PIB, mais les populations sont un petit peu plus fragiles qu'ailleurs. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui crée de l'emploi puisque c'est le premier en termes de création d'emplois en Île-de-France, mais plus de 50% de ces emplois ne profitent pas forcément aux habitants. Alors, ce n'est pas directement, bien évidemment, dans le cadre du débat de ce soir, mais la Seine-Saint-Denis, c'est aussi le département du monde. 130 nationalités, 177, plus de 130 nationalités, 177 langues parlées, plus de 2500 associations qui interviennent dans le champ de la coopération internationale ou aux questions liées à la citoyenneté mondiale, comme je vous l'ai dit un peu. Comme une évidence, et c'est aussi pour toutes ces raisons que depuis de très nombreuses années, nous avons des coopérations avec un certain nombre de pays, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Palestine, avec Israël, avec les Comores, et bien évidemment de très nombreuses actions menées par de très nombreuses associations du département de la Seine-Saint-Denis, un peu à l'image de Mejles, puisque c'est une association balbinienne que je tenais également à saluer ce soir pour son engagement à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, mais également dans le cadre d'actions à l'international et autour des enjeux de la solidarité que nous engageons tous les jours et qui sont, je dirais, encore plus importantes aujourd'hui dans le cadre de la crise sanitaire et sociale que nous connaissons et qui touche encore plus le département de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs,
aujourd'hui, comme moi, mais comme sûrement beaucoup d'élus de ce département, nous avons rencontré de nombreuses associations, des personnels de la ville, des entreprises de Bobigny du département pour travailler les enjeux de la, pour travailler les enjeux de la solidarité d'une façon générale. Donc moi, tout simplement, ce soir, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires qui sont ici présents et qui vont nous permettre de pouvoir débattre autour des enjeux, autour du regard sur les relations entre la France et le Maroc. Et comme je vous l'ai dit, nous avons également une coopération et nous travaillons avec la plateforme des associations marocaines de la Seine-Saint-Denis avec lesquelles j'ai des relations régulières et qui m'invitent assez souvent pour pouvoir débattre avec eux, notamment sur tout le travail que nous menons depuis de très nombreuses années à Figuig, où j'ai eu le plaisir et l'occasion de participer à des échanges avec le maire, avec des associations sur place. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreux habitants, que ce soit ceux de Bobigny ou du département, qui sont engagés à l'international. Je ne voudrais pas être plus long parce que je sais que vous êtes nombreux à intervenir ce soir. Je ne vais pas citer les noms de toutes les personnes, ce qui m'évitera d'en oublier. Je voudrais vous remercier tout simplement, remercier le service de Via le Monde et à travers sa directrice Magali Frigaudet qui est parmi nous, tous les personnels du département et notamment ceux de Via le Monde qui, grâce aussi à eux, nous permettent de pouvoir ce soir encore être réunis mais travailler sur les enjeux effectivement de la coopération. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire et vous dire que dès que, bien évidemment, on ira vers un déconfinement total, et je le souhaite vraiment, j'aurai d'ailleurs une rencontre demain après-midi avec le préfet pour en savoir plus et voir quelles sont les modalités de ce deuxième déconfinement, si on peut s'exprimer ainsi. On aura l'occasion, bien évidemment, ensuite de pouvoir se rencontrer en présentiel, et je crois que c'est l'essentiel. Donc, merci à vous, merci à votre engagement à l'international, et comme je l'ai dit dans le cadre de mes fonctions de maire, de nouveau maire, puisque ça fait à peine 5 mois que je suis là, je vais mettre en place un service de la coopération internationale à Bobigny, en lien avec les associations et les habitants, pour travailler tous ensemble. Merci, et bons travaux pour ce soir. Voilà. Merci, Monsieur Sadi, pour cette introduction. Et je donne tout de suite la parole à Gustave Massia pour tenter d'introduire plus largement cette première partie et de tenter de nous apporter des éléments de réponse à cette question qui est de faire de la solidarité internationale aujourd'hui dans un contexte de crise mondiale multidimensionnelle. Merci Valentin. Bon, écoutez, merci tout le monde. C'est une question très difficile, évidemment, parce que il y a un moment que nous savons qu'il faut réinventer la solidarité internationale. Et la rupture actuelle de la pandémie et du climat nous montre que nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, en fait, depuis 2008, avec la crise financière et la montée en puissance de l'austéritarisme dans le néolibéralisme, puis depuis 2011, avec la montée de toutes les insurrections, une cinquantaine d'insurrections dans le monde, et puis à partir de 2015, avec les contradictions entre les soulèvements et les répressions, nous sommes interpellés, il faut redéfinir la solidarité internationale. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de rappeler un peu quels sont les fondamentaux, à quoi nous devons nous attaquer pour redéfinir la solidarité internationale de la nouvelle période, en tenant compte de ce que nous apprend, en partie de ce que nous apprend déjà la rupture de la pandémie et du climat. Alors, la première, donc en fait, je développerai essentiellement la question des valeurs, parce que la solidarité internationale, c'est une valeur, ce sont des valeurs. Ensuite, ce sont des pratiques. Et puis enfin, c'est un projet et c'est un mouvement. Et donc, c'est un peu les trois éléments que je reprendrai pour voir qu'est-ce qui est interpellé dans la période actuelle. Bon, alors, en tant que valeur, la solidarité internationale, c'est d'abord la solidarité. C'est la dimension internationale de la solidarité. Et avec la COVID et avec les confinements, on n'a pas arrêté de nous parler de solidarité. On a l'impression que tout le monde s'est converti à la solidarité.
Mais évidemment, on voit bien que tout le monde ne parle pas de la même chose, ni pour les mêmes raisons. Pourquoi la solidarité ? Pour certains, parce que les inégalités sont injustes. Pour d'autres, parce que les inégalités sont dangereuses. Pour d'autres, parce que nous sommes tous frères et que donc nous ne pouvons être que solidaires. Pour d'autres, enfin, parce que nous avons des intérêts communs. Et donc, nous devons bien revenir, approfondir quelles sont les valeurs sur lesquelles nous voulons construire la solidarité et montrer que la pandémie et les confinements ont mis en avant l'idée de la solidarité, mais ils ne l'ont pas mise toute seule. Ils ont mis en avant l'importance de la solidarité, mais ils ont aussi montré l'importance des valeurs sécuritaires et du repli sur soi. Donc, ce qui est nouveau est contradictoire. Il y a en même temps la montée de la sécurité, mais il y a aussi cette idée tout à fait nouvelle et très importante que l'on a vu surgir, c'est que la solidarité, c'est quand même lié à l'idée d'égalité. Et n'oublions pas que le néolibéralisme, il est né justement de l'idée que pour résoudre les problèmes, il fallait s'en remettre au marché mondial. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est une idée qui s'est exprimée de différentes manières sur la question des droits, que de l'accès aux droits, et qu'il fallait revenir à l'égalité et que tout ne pouvait pas être résolu par le marché mondial. Donc voilà une première réflexion et quelque chose sur lequel il va nous falloir travailler. Bon, la deuxième question qui se pose, c'est que dans la rupture sur la dimension internationale, il n'y a pas que la rupture sur la solidarité et sur les valeurs. Il y a la rupture sur la dimension internationale et sur les échelles, entre les différentes dimensions. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et très important. La pandémie, elle est mondiale. L'environnement, il ne peut être que mondial. Et à ces deux questions mondiales, les réponses sont nationales. Donc, il nous faut revenir sur le rapport entre le mondial et le national. Et c'est une question tout à fait fondamentale. Sur la question mondiale, ce que l'on a vu quand même, c'est une remise en cause de l'idée que la mondialisation et la mondialisation économique étaient une évidence qui ne pouvait être contestée par personne et que la réponse était toujours le marché mondial. Et là donc, on voit que le marché mondial ne peut pas répondre aux besoins, ne peut pas répondre aux questions, ne peut pas répondre à la production. On l'a vu avec la souveraineté alimentaire, avec les médicaments, on l'a vu avec la relocalisation écologique. Donc, il est nécessaire de revenir sur cette question de la définition du mondial par rapport au national. Alors, évidemment, la question de la réaffirmation nationale remet en cause, parce que cette réaffirmation nationale, la recherche de solutions nationales, elle a été assez ambiguë. Elle était en même temps nationale, c'est au niveau national, c'est au niveau national qu'ont été définies les propositions. Elle est aussi étatique, ce sont les États qui sont intervenus, mais en fait, elle se présentait comme voulant être publique, notamment par rapport au privé qui était porté par le marché mondial. Et donc, on a vu revenir toute une série de questions sur les communs, sur les biens publics, sur les formes du vivre en commun, sur les communautés et sur la remontée de la question des identités et notamment sur une question très intéressante que l'on a vu s'afficher à travers la diversité des identités. Il n'y a pas une seule identité. La dimension nationale, ce n'est pas uniquement l'identité nationale,
ce sont les identités multiples. Et à partir de ce moment-là, se pose une question nouvelle, fondamentale. Est-ce qu'on est en mesure de redéfinir le rapport entre l'État et la nation dans la réponse des communautés nationales? Bon, alors là, évidemment, c'est une question tout à fait nouvelle qui existait du point de vue théorique, mais dont la prise de conscience a été très large. Elle remet en cause un peu les représentations du monde qui étaient portées par la solidarité internationale et qui étaient auparavant toujours reliées à la question des États. On disait ce sont des pays pauvres, sous-développés, c'est le tiers-monde, c'est le Nord-Sud. En fait, parce que la représentation dans la solidarité internationale était liée à la question du développement et la conception du développement qui était mise en avant, c'était le rattrapage. Or, là, on prend conscience, notamment avec la question écologique, que le rattrapage n'est pas possible parce que on n'a pas plusieurs planètes. Et donc, la limite écologique, l'environnement, ont déclassé le développement qui n'arrivait pas à se dégager du capitalisme. Et aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait nouvelle de redéfinition sur quelle est la nature de la transformation des sociétés. Comment on peut transformer les sociétés? Voilà. Dans ce rapport entre le mondial et le national, il y a quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est le local. Et effectivement, on se retrouve avec quelque chose de très important, c'est que les relations se sont construites au niveau local. L'unité du local, c'est le territoire. Donc, il y a plusieurs territoires. Et donc, il y a plusieurs locaux, effectivement. Et les groupes se construisent sur le territoire. Mais ils ne sont pas unifiés sur le territoire. Le local, c'est la diversité. Par contre, ce qui a été très clair, c'est la construction de la solidarité dans le local qui a été quelque chose de nouveau et de très important. Et même, pour reprendre le terme d'un livre qui vient de paraître, qui était très intéressant, et qui disait « l'universel, c'est le local moins les murs ». Donc c'est au niveau du local que se sont reconstruites un peu des formes d'universel, et en tout cas, c'est évident que pour reconstruire la solidarité internationale, il ne faut pas arriver au local, il faut partir du local et partir des différentes échelles du local. Donc voici un peu la première réflexion de beaucoup de choses nouvelles qui se produisent dans la redéfinition de la solidarité internationale du point de vue justement des valeurs et des dimensions des échelles. Il y a un deuxième élément qui est très important, mais sur lequel je passerai peu de temps, parce que j'ai peu de temps, j'ai promis de ne pas dépasser 10 minutes, et c'est la question, effectivement, des pratiques. Les solidarités, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques entre des groupes, entre des individus, entre des peuples, entre des pays. Et donc, effectivement, ces pratiques, elles ont été rendues difficiles dans la période de la pandémie et de la Covid. On l'a bien vu, la mobilité a été difficile, les rencontres ont été difficiles, le partenariat a subsisté, mais il faut regarder en quoi il a changé de nature, comment il change de nature. Le partenariat, qu'est-ce que c'est le partenariat comme pratique de la solidarité internationale ? C'est une idée très intéressante et très nouvelle. C'est l'idée qu'on peut construire des rapports égalitaires, même quand on part de situations inégalitaires. Et donc, il y a la volonté d'affirmer la construction de l'égalité. Vous voyez, on retrouve l'égalité et la solidarité par rapport à un point de départ inégalitaire. Et donc, effectivement, c'est un élément très, très, très important
de regarder comment le partenariat et les pratiques de solidarité internationale permettent effectivement de construire cette égalité en projet, en devenir. Alors maintenant, j'arriverai peut-être au plus difficile. La solidarité, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est une histoire, un projet, une stratégie, si vous voulez. Je vais prendre un exemple sur ce que je veux dire, ce que c'est qu'un mouvement et un projet. Un mouvement, par exemple, c'est le mouvement de la Via Campesina et des syndicats d'agriculteurs paysans. L'agriculture paysanne se construit et il y a une prise de conscience des syndicats d'agriculteurs, d'une partie des syndicats d'agriculteurs, qui mettent en avant un nouveau projet. L'agriculture paysanne et pas l'agro-industrie. L'agriculture écologique et pas les OGM. La souveraineté alimentaire et pas le marché mondial. Le partenariat. Et donc voilà, ça c'est un projet. Et donc, la solidarité internationale, c'est un mouvement qui a un projet. Et ce projet, il vient d'une histoire. Et c'est quoi l'histoire de la solidarité internationale, du mouvement de la solidarité internationale, qui explique les inégalités au niveau social, les inégalités écologiques, les inégalités culturelles, etc. Eh bien, ce qui les explique, c'est l'histoire. Et l'histoire du mouvement de solidarité internationale, c'est la décolonisation. La décolonisation, c'est un mouvement de l'histoire extraordinaire. C'est un mouvement dans l'histoire de l'humanité où chaque peuple et tous les peuples disent « Nous pouvons, nous devons participer à notre histoire et à l'histoire de l'humanité. » Et ça, c'est une révolution culturelle fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Le droit, le devoir de participer tous à l'histoire de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on retrouve les causes de la solidarité internationale et le projet de la solidarité internationale et les problèmes que rencontre la solidarité internationale aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, la situation, c'est que la décolonisation n'est pas terminée. La décolonisation n'est pas terminée parce que la première phase de la décolonisation, ça a été l'indépendance des États. Beaucoup des États sont indépendants, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant et on se rend compte que ça ne répond pas à la question et que finalement, la colonisation est présente dans chacune des sociétés encore et que donc la décolonisation doit aller plus loin et que nous devons aborder la deuxième phase de la décolonisation. Et donc, cette deuxième phase, effectivement, elle est très difficile parce qu'il y a un refus d'aller plus loin dans l'émancipation de chaque société, dans la réinvention de chaque société. Et ça se traduit par des formes de contre-révolution. Ça se produit par des formes de refus, de résistance, de violence. C'est ce que nous allons voir avec ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. Reprendre la main, comme disait quelqu'un, comme disait d'ailleurs une partie du patronat au niveau international. Il faut qu'on revienne à ce qui existait avant. Et bien évidemment, ça, ce n'est pas possible. Et donc, il y a une situation dans laquelle on a une contre-révolution et en même temps, on a des mouvements d'émancipation, des mouvements des femmes, des mouvements antiracistes, contre le racisme lié à l'histoire des colonisations, à la décolonisation inachevée. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est très intéressant. L'affrontement entre une partie de ce qui a été représentatif de l'électorat de Trump et puis des mouvements comme Black Lives Matter, qui ont soulevé une grande partie de la société américaine. Eh bien, c'est une contradiction qui est extrêmement violente, qui est forte et qui ne se réduira pas par uniquement si l'un laisse passer l'autre. Alors, pour ça maintenant, il faut que le mouvement de solidarité internationale construise son projet. Son projet n'est pas très compliqué. La stratégie
qu'il défend, le projet qu'il défend, c'est la transition écologique, sociale, démocratique. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je crois que tous ceux qui sont là comprennent ce que ça veut dire et pourquoi les trois éléments sont complètement liés. Mais je rajouterai, du point de vue de la solidarité internationale, une quatrième dimension qui est une dimension très importante. C'est la transition géopolitique. Et ça, c'est là que nous voyons que les grandes régions, aujourd'hui, c'est la nouvelle manière de construire le monde. Et c'est là que nous devons, nous aussi, réinventer la dimension internationale en partant de ce qui est en train de se passer avec, justement, les différentes régions du monde qui construisent leur nouvelle culture, leur nouvelle proposition, leur nouvelle demande. Et par rapport à ça, évidemment, se pose la question des alliances. Pour tout mouvement, les alliances de la solidarité internationale avec les acteurs de la transformation, avec des acteurs économiques, notamment l'économie sociale et solidaire, avec les entreprises publiques, avec les institutions internationales, les services publics, avec les collectivités locales qui sont les outils de la démocratie de proximité, avec les sociétés civiles et les mouvements. Et les mouvements, c'est justement les mouvements qui aujourd'hui sont porteurs de l'avenir. Le mouvement des femmes, évidemment, le mouvement du climat, le mouvement des nouvelles cultures, le mouvement de la décolonisation, le mouvement des migrations, le mouvement des scolarisations. Mais voilà, je crois que c'est ça le projet et c'est comme ça que nous devons reconstruire le mouvement altermondialiste, construire le futur mouvement altermondialiste. Merci. Merci Gus pour cette intervention très intéressante. Et du coup, je retiens pas mal de notions autour de la décolonisation, du local, de cette contre-révolution et de la question du mouvement de solidarité internationale et des alliances que celui-ci pose. Avant de donner la parole à Gérald Gaudreuil, juste pour rappel, on fera un premier tour de questions du coup après l'intervention de Gérald. Et j'en profite pour introduire Magali Frigaudet, donc, qui est responsable du service Via le Monde au département de Seine-Saint-Denis. Désolé Magali, j'avais oublié de t'introduire. Et donc, on se chargera de lire vos questions aux intervenants, les premières à l'issue de l'intervention de Gérald. Et donc, moi, ce que je retiens, Gérald, ce qui m'a fait écho dans la présentation faite par Gus, c'est vraiment comment cette crise, elle re-questionnait cette notion de partenariat. Ça m'a fait écho puisque la Fédération Artisans du Monde, il me semble, est la première fédération d'acteurs du commerce équitable en France. Et vous avez depuis donc des décennies de nombreux partenaires à travers le monde. Et c'est vrai que j'imagine que la période actuelle a dû complètement basculer et peut-être réorienter ces partenariats. Donc voilà, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur la situation actuelle pour la Fédération Artisans du Monde. Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas pour votre invitation. Et je me sens presque chez moi parce que je suis un ancien Portinois et le siège de la Fédération est à Montreuil. Donc voilà, on a aussi notre place en Seine-Saint-Denis. Effectivement, comme l'a dit Gus, voilà, on pense tous qu'il serait bien de reconstruire un peu la solidarité internationale et tout simplement peut-être une mondialisation plus humaine. Donc voilà, cette mondialisation plus humaine, elle est en marche depuis un certain nombre d'années. L'expression en marche, c'est pas toujours très heureuse actuellement, mais elle existe depuis un certain nombre d'années. Et malheureusement, effectivement, ces alternatives, elles vont peut-être pas assez vite et elles prennent pas assez d'ampleur pour peser justement sur l'économie mondiale. Moi, je vais vous parler un petit peu justement de l'expérience du commerce équitable qui effectivement est construit sur un partenariat plus juste avec les producteurs. Quelques mots sur Artisans du Monde. Artisans du Monde, on est effectivement une association de solidarité internationale, on est un acteur de l'éducation populaire, on est également un acteur intermondialiste, un acteur de la transition, on est aussi un acteur économique. Donc effectivement, le parti pris qu'a eu Artisans du Monde depuis sa naissance en 1974, c'est effectivement d'accompagner des organisations de producteurs, que ce soit des coopératives, des associations, des ONG, dans les pays du Sud, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, les accompagner dans le développement, alors avec
débattre sur la discussion sur le développement, mais les accompagner sur leur propre choix de développement par l'économie. Et donc, par l'économie, mais pas la même économie, pas une économie libérale, mais une économie sociale et solidaire. Ça veut dire que d'entrée, le choix du commerce équitable, c'était d'offrir des débouchés à des artisans, des paysans, pour leur permettre de se construire et de construire une alternative économique et un renforcement de leur organisation. Donc, en même temps qu'on proposait une alternative pour ces producteurs en leur donnant accès au marché, c'est aussi une façon de renforcer les sociétés civiles dans ces pays. Donc, ça a permis aussi à un certain nombre d'organisations, de coopératives, d'inverser le rapport de force qu'ils pouvaient parfois avoir avec les acheteurs en étant en capacité d'imposer leur prix, puisque à la base du commerce équitable, il y a la notion de prix juste, de prix rémunérateur qui permettent aux gens de vivre décemment et d'être acteurs de leur choix de développement. Donc le commerce équitable a forcément été très affecté par la Covid, hein, à plusieurs niveaux de la filière, c'est-à-dire qu'on peut détailler en trois niveaux. Il y a les producteurs, du temps du Sud avec lesquels on travaille. Il y a les associations locales artisanales en France qui sont un maillon essentiel de la solidarité. Et après, la fédération que j'anime, qui elle-même est impactée par la crise. Donc, si on prend la situation d'abord des associations locales, Artisans du Monde, c'est un réseau actuellement d'un peu plus de 120 associations locales, de plus de 3000 bénévoles, qui animent des magasins associatifs, qui justement sont des lieux pour offrir des débouchés aux producteurs, les producteurs que ce soit des artisans, des paysans. Et en fait, ces magasins, ils subissent ce que vous entendez aujourd'hui dans les débats, les conséquences des fermetures des petits commerces, parce que nous sommes aussi des petits commerçants, des petits commerçants équitables. Et de fait, la fermeture de nos magasins a impacté de fait notre activité, donc notre capacité à pouvoir continuer à soutenir les producteurs en achetant leurs produits, et à continuer à faire notre travail de sensibilisation, parce que l'intérêt de nos magasins, c'est ne réside pas uniquement dans le fait de pouvoir vendre des produits, mais c'est aussi parce que ce sont des magasins où, par le contact avec les clients, on peut les informer sur les enjeux de la solidarité internationale, les enjeux du commerce équitable, les enjeux de toutes les discussions qu'on peut avoir autour des questions du genre, des discriminations. Et donc, au travers de l'activité commerciale, c'est aussi un outil d'éducation populaire qu'on a directement auprès de clients qui viennent pas au départ forcément pour cette question-là. Donc, la Covid a impacté les magasins par leur fermeture. Ça oblige aussi à peut-être à se réinventer dans la façon de vendre nos produits. Donc, on s'est mis un peu comme tout le monde à faire du click et collect ou du click et réplique pour pouvoir continuer notre activité. On a aussi un paramètre important, c'est que les bénévoles artisans du monde, ce sont pour une très grande majorité des bénévoles retraités, donc de fait un public plus fragile par rapport à la maladie du Covid. Donc ça a aussi limité la capacité d'action des associations locales. Et à côté des magasins, on a deux autres modes d'action qui sont notamment l'éducation. On intervient beaucoup dans l'espace public et aussi dans les établissements scolaires. Et de fait, avec la Covid, on a dû stopper quasiment l'ensemble de nos actions. D'une part parce qu'il était interdit d'aller sur l'espace public. Donc les manifestations qu'on avait prévues, comme la quinzaine du commerce équitable, ont été tout annulées quasiment. On a fait des webinaires. On a dû annuler les invitations des partenaires, puisqu'on ne peut plus justement inviter les partenaires, les producteurs qui viennent de ces différents pays. Et on a dû aussi arrêter nos actions d'éducation en milieu scolaire. Donc, c'était aussi une partie importante de notre activité qui a dû cesser. Et ce qui s'est poursuivi, par contre, c'est tout le travail de plaidoyer qu'on fait, les campagnes d'opinion, parce qu'ils ont trouvé depuis quelques années leur place via l'Internet, puisque les gens sont davantage aujourd'hui des cyber-citoyens, même si, heureusement, il y a encore des personnes qui se mobilisent et qui descendent dans la rue pour pouvoir montrer leur solidarité avec les pays du Sud, mais aussi des gens qui vivent chez nous. Donc voilà, donc ça a pas mal bouleversé notre association. Cela a fragilisé également économiquement. Donc on verra, on espère que la fin de l'année, la réouverture annoncée des magasins permettra de entre guillemets, sauver la fin de l'année pour nous permettre de maintenir nos activités dans les meilleures conditions possibles. Deuxième maillon de la filière, c'est la Fédération Artisans du Monde, donc la fédération qui anime l'ensemble de ces associations locales, ces magasins. Donc la fédération, de fait, par effet rebond, elle est aussi impactée par la baisse des ventes parce que c'est aussi une ressource pour elle, pour son budget. Donc ça ampute notre budget potentiellement de peut-être de 20 à un quart des ressources, donc ça va nous impacter.
ça va aussi ça a impacté toutes nos activités qu'on a pu mener ou qu'on essaie de mener de façon un peu différente. Donc on a fait comme tout le monde, on a démultiplié les webinaires. Donc c'est à la fois une alternative intéressante parce qu'on s'est rendu compte que finalement on touchait parfois plus de monde, et même sur nos temps de vie associative nationale, on avait plus de monde à notre assemblée générale ou des commissions nationales où on a réuni jusqu'à 170 personnes, là où on a réuni habituellement peut-être 20 ou 30 personnes. Donc ça, les bénévoles qui sont d'une génération de retraités sont aussi très cybercompatibles. C'est ce qu'on a observé pour le réseau Artisans du Monde. Donc ça, c'était plutôt une révélation positive. Mais comme tout le monde, je pense qu'on se fatigue un peu du webinaire et on a hâte de pouvoir se retrouver physiquement pour pouvoir échanger. Et on manque un peu de chaleur humaine derrière l'écran. Le point le plus important pour nous, c'est comme les producteurs. C'est-à-dire que les producteurs au Sud, ils ont pris en pleine face la Covid. Et en fait, que les retours que nous font les partenaires, c'est que au-delà de la maladie qui les impacte fortement, et en plus, ils n'ont pas forcément les systèmes de soins qui sont aussi bien organisés et bien développés que chez nous, même si on a beaucoup critiqué l'organisation des soins en France. Mais malgré tout, ils sont quand même beaucoup plus performants qu'ils peuvent l'être dans les pays du Sud. Et finalement, ce sont les personnes qui sont les populations les plus fragiles qui ont été, une fois de plus, les premières à subir les conséquences de la maladie. Et en même temps, ils n'ont pas pu continuer à leur activité économique. C'est-à-dire que les producteurs, du par le confinement qui s'est mis en place dans un certain nombre de pays, les ateliers ont été fermés, ils ont dû arrêter leur activité, donc ils n'ont plus de travail. Il n'y a pas de système sociaux comme en France qui prennent le relais pour les petites et moyennes entreprises avec des aides de l'État ou des systèmes d'allocation chômage, ce qui fait que ces personnes-là se sont retrouvées encore plus fragilisées qu'elles ne l'étaient. Et en même temps, ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est que le cours des matières premières, le prix de la nourriture, tout a augmenté en fait. Donc en même temps que les revenus des paysans, des artisans, des travailleurs baissaient, le prix des matières premières, la vie courante est devenue plus chère. Donc ce qu'on a observé de façon assez positive, c'est que les organisations de commerce équitable ont pu dans un premier temps, alléger la peine, la difficulté de ces organisations, parce qu'on parle des systèmes de commerce équitable, le fait de maintenir les commandes, le fait de maintenir les avances de paiement des commandes, ça a permis de redistribuer d'une certaine façon les revenus vers ces populations. Et ce système a des limites, puisque de fait, on peut pas non plus durablement soutenir de cette façon-là. Et du fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le slogan qui a marqué un peu, qui marque un peu l'histoire du commerce équitable, qui était Trade Not Aid, du commerce pas de l'aide, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs nous disent plutôt à l'aide et on s'est beaucoup questionné de savoir est-ce que on doit répondre à leurs appels à dons. Et finalement, on en revient aujourd'hui à continuer un soutien par l'action économique, par le commerce, mais aussi on est contraint de, et c'est une autre forme qui est tout à fait louable, de mettre en place des collectes de dons pour soutenir les partenaires. Donc on avait expérimenté ça en janvier pour soutenir les partenaires du Liban qui sortaient d'une crise économique et s'est rajouté dessus des crises sociales et puis aussi le Covid et plus les explosions. Donc voilà, donc on a des relations assez compliquées actuellement avec nos partenaires qui, en plus, un certain nombre de partenaires ont subi également des typhons, des ouragans. Donc ça a impacté encore plus leur situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie tant faire ce peu de soutenir les partenaires, de garder le contact avec eux, mais la relation est restée compliquée. Voilà. On se rend compte quand même que malgré tout, le commerce équitable permet une certaine résilience pour ses artisans et ses paysans, avec des situations très hétérogènes, parce que de fait, les artisans ont beaucoup plus souffert que les paysans, puisque les producteurs de café, de cacao ont pu maintenir un certain nombre d'entre eux leur récolte. Ils ont pu continuer à exporter d'une façon différée leurs produits. Donc, ce qui fait qu'on voit que ces artisans-là, qui sont très impactés, les acteurs paysans, restent beaucoup plus résilients par rapport à la crise du Covid. Un point aussi qui nous importe beaucoup, pour conclure, en fait, c'est savoir est-ce que la Covid, c'était, on a beaucoup entendu parler de prise de conscience accélérée des citoyens, effectivement des impacts de la mondialisation libérale et donc des changements de comportement des consommateurs, notamment d'une consommation responsable. Il y a deux études qui viennent de sortir qui montrent que effectivement les consommateurs
sont beaucoup plus aujourd'hui alertes par rapport aux choix de consommation. Mais c'est souvent une réponse qui est sur le local, en fait, où les gens se posent la question de finalement, est-ce que je ne dois pas consommer plus local? Donc ça rejoint ce que disait Gus, hein, c'est de dire effectivement, on passe une solidarité internationale et une solidarité locale. Et ce qui nous apporte, nous, c'est qu'en fait, dans l'action locale, on ne doit pas oublier la dimension internationale. Et qu'on nous pose souvent la question de savoir si ben, finalement, est-ce que c'est pertinent d'acheter des produits qui viennent du Sud. Quand je dis du Sud, hein, c'est pour faire court, hein, mais alors qu'effectivement, bah, par rapport aux enjeux écologiques, par rapport aux enjeux de l'emploi, de la relocalisation, est-ce qu'il faut continuer à avoir ces démarches du commerce équitable sud-nord? Mais on pense que c'est très complémentaire et que, de fait, le local ne doit pas oublier la nécessaire solidarité internationale, parce que, de fait, ce qu'on voit aujourd'hui, les paysans en France souffrent des mêmes conséquences d'un système d'agriculture industrielle, productiviste, libéralisé, que les paysans du Sud, avec des conséquences différentes. Et donc, en fait, derrière, c'est un même combat, une convergence des luttes pour changer notre modèle agricole, c'est une convergence des luttes pour changer le commerce international. Et je pense que les alliances sont aussi bien entre le local et l'international, et pas juste l'échelle d'un territoire. Donc, je pense qu'il faut vraiment toujours affirmer et agir de concert dans ces deux dimensions-là. Je vais m'arrêter là pour mon intervention, puis je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous remercie. Bonjour, alors je vais... vous m'entendez? Oui. Je vais me faire le relais des questions. Hélas, on n'a pas l'interactivité, on ne se voit pas tous, mais vous êtes 66 personnes à participer. D'ailleurs, je salue l'association d'aide aux handicapés de Goudiri qui est là, Nametou, vous êtes nombreuses, les associations de la Seine-Saint-Denis à participer. Et c'est l'enjeu, hein, c'est de pas perdre le lien, de continuer à pouvoir réfléchir pour mieux agir sur ces questions de solidarité internationale. Je voudrais peut-être relayer la première question de Jean-Claude Rabéry Farah, qui s'adresse à mon avis à Gus. Les mouvements sociaux citoyens dans les pays, d'Afrique notamment, confrontés à des régimes néolibéraux autoritaires restreignant la liberté d'expression, encore plus depuis la pandémie, ont besoin de sortir de leur isolement, de partager entre eux, mais aussi d'un pays à l'autre plus largement, à l'international, sur leur contexte, leurs réflexions, leurs luttes, leurs propositions, leur réseautage et leur démarche, mais aussi la répression. Donc, je pense que c'était plutôt un commentaire qui invite effectivement à l'union des mouvements sociaux dans le monde. Je crois que c'est un petit peu la proposition altermondialiste. Il y a aussi quelqu'un qui pose une question sur le continent africain. Qu'il est encore colonisé aujourd'hui sous une colonisation qui se voile la face. Mais qu'en est-il également de la question de l'Amérique latine et notamment des peuples autochtones? Et puis, il y a un certain nombre de questions qui s'adressent plutôt aux artisans du monde sur la question de comment faire pour continuer à faire vivre les petits commerces et notamment ceux qui, comme vous, promeuvent le commerce équitable en dehors d'Amazon. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions? Il y a même quelqu'un qui propose la livraison par des bénévoles. Peut-être aussi répondre à cette question de comment continuer à consommer ou même consommer différemment en temps de pandémie. Je pense que je vais m'arrêter là pour les questions. Je suis désolée si je les prends pas toutes, mais on a pris un petit peu de retard. Ah, je vais quand même celle-là, pardon, je vais vous la lire parce qu'elle a un lien avec la précédente. Pourquoi pas des commandes par le net comme Emmaüs le fait désormais, y compris pendant la crise du Covid, on trouve des produits solidaires, dans les grandes surfaces. Question de Jacques. Voilà, donc comment consommer différemment pendant le Covid. Du coup, peut-être Gustave, Mathias, sur les peuples autochtones éventuellement, et puis sur ces questions de commerce équitable. D'accord. Alors, je vais répondre très rapidement. D'abord, je réponds à la question de Jean-Claude
sur la nécessité de, pour les peuples de se relier et de se confronter et de s'organiser par rapport à la répression dont ils sont l'objet. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, l'objectif du mouvement altermondialiste de permettre justement que les peuples puissent justement en discuter à travers leur mouvement. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est que ce ne sont pas les États qui vont discuter de comment lutter contre la répression qu'ils imposent. Bon. Donc, c'est comment les mouvements peuvent discuter entre eux et c'est une question très, très importante sur laquelle on peut revenir en revenant d'ailleurs sur les leçons de l'histoire et notamment la manière dont le mouvement internationaliste, à un moment donné, avait cherché à relier à la fois les mouvements sociaux, notamment les mouvements ouvriers et les mouvements paysans, et aussi les mouvements de libération nationale. Et donc, c'est ça qui a permis la décolonisation, et c'est ça, aujourd'hui, qui est nécessaire, c'est que l'ensemble des mouvements qui sont en situation, disons, de remise en cause ou qui subissent la répression, se coordonnent pour résister ensemble. Alors, il y a une deuxième question que j'avais vue passer. Je voudrais quand même revenir. C'est quelqu'un qui avait demandé, y a-t-il toujours eu de la solidarité ? Je voudrais dire que c'est une question très intéressante parce que, en fait, l'international tel que nous le connaissons aujourd'hui date du XVIIe siècle, XVIIe, c'est-à-dire à partir du moment où ce sont les États-nations qui sont considérés comme les seuls acteurs de la scène internationale. Auparavant, il y a eu d'autres formes. Dans les régions, il y avait des formes entre les communautés, entre les peuples, qui étaient très riches, et puis il y avait aussi des formes qui étaient des formes d'empire, qui organisaient des espaces extrêmement grands, extrêmement larges. Donc cette question, à partir de ce moment-là, il y a toujours eu une solidarité par rapport à un projet commun, projet qui pouvait être un projet d'émancipation ou un projet, au contraire, de mise au pas. Alors maintenant, je reviens à la question sur l'Amérique latine et les peuples autochtones. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, on parle de peuples autochtones. D'où vient cette définition? Pourquoi est-ce que les peuples autochtones sont arrivés devant le début de la scène? C'est parce que c'est la reconnaissance que la décolonisation n'a pas réglé la question des peuples autochtones et des rapports entre les peuples autochtones et des autres peuples qui sont venus sur leur territoire, même si certains de ces peuples, d'ailleurs, étaient eux-mêmes des peuples qui avaient été des peuples colonisateurs. Donc, ça, c'est une question nouvelle, fondamentale, qui est explicite et qui enrichit ce qu'est aujourd'hui la nouvelle phase de la décolonisation. Je vais vous donner un exemple. En 2009, au Forum social mondial de Belém, il y a trois mouvements qui se sont dégagés, à un moment donné, enfin qui ont pris la parole. Et ces trois mouvements, c'était le mouvement des femmes, le mouvement paysan de la Via Campesina et le mouvement des peuples autochtones, notamment des peuples amazoniens. Et ces trois mouvements se sont adressés à l'ensemble de tous les mouvements qui étaient là. Et ils leur ont dit, mais vous savez, est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous dites qu'il faut réfléchir de nouveau au rapport entre l'espèce humaine et la nature. Mais si on réfléchit au rapport entre l'espèce humaine et la nature, eh bien, à partir de ce moment-là, on remet en cause la notion même de civilisation. Et notamment, on est obligé de revenir à 1492 et à la première grande colonisation dont sont issus l'essentiel des peuples autochtones
qui peuplent le monde aujourd'hui. Donc voilà pourquoi la question des peuples autochtones se fait partie de la deuxième phase de la décolonisation. Merci. Merci Gus. Est-ce que Gérald, tu souhaites apporter des éléments de réponse sur justement comment est-ce qu'on peut trouver d'autres façons de livrer au-delà d'Amazon des produits issus du commerce équitable? Oui, donc effectivement, Amazon, c'est pas trop notre tasse de thé, hein, chez Artisans du Monde. On participe aussi à des campagnes, le Green. Green Friday plutôt que le Black Friday, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, donc en plus, donc on avait évoqué Label Emmaüs, enfin Emmaüs, donc c'est vrai qu'on est sur le site de Label Emmaüs, parce qu'en plus on a des liens historiques avec Emmaüs. On a aussi présence un certain nombre de sites internet de vente en ligne, plutôt dans une démarche d'économie solidaire plutôt que grand capital. Donc ça, c'est effectivement, c'est des outils qu'on utilise déjà, plus notre centrale d'achat que les associations locales Artisans du Monde. Et après, on essaye aussi, les associations locales, les bénévoles mettent en place des systèmes de distribution. Ils sont aussi présents dans des magasins fermiers, magasins de producteurs, dans des partenaires des AMAP. Donc voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui se mettent en place sur les territoires, ce qui montre en plus l'intérêt de la convergence entre les circuits courts et le commerce équitable. Donc voilà, aussi un bon accueil et la compréhension de la complémentarité des démarches. Il y avait une question aussi sur si on avait pu observer des solidarités locales qui se mettaient en place dans les pays du Sud. Là-dessus, j'aurais plus de difficultés à répondre. Ce que je peux dire, c'est que de la même façon que depuis quelques années, il s'est développé ce qu'on appelle un commerce équitable nord-nord, ça veut dire que les principes du commerce équitable ont été universalisés, transposés à des relations avec des producteurs en France, pour l'instant, surtout sur des filières agricoles. Depuis plus d'une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle aussi un commerce équitable sud-sud. C'est-à-dire que c'est d'accompagner des producteurs où eux-mêmes sont en capacité de le faire, de développer les marchés locaux, en fait, pour être beaucoup plus résilient, ne pas dépendre uniquement de l'exportation. Donc, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces marchés locaux, qui étaient beaucoup liés aussi à une activité de tourisme pour les artisans, il est forcément impacté par l'arrêt de l'activité touristique internationale. Donc ça, effectivement, c'est aussi le fait de pouvoir diversifier leur activité n'aura pas est compliqué aujourd'hui. Donc après... les organisations de producteurs, depuis longtemps, sont organisées à l'échelle internationale. Il y a une organisation mondiale du commerce équitable qui s'appelle World Fair Trade Organization, qui rassemble les deux tiers des membres, sont des organisations de producteurs, donc qui eux-mêmes échangent beaucoup, mutualisent leurs moyens, leurs actions, pour pouvoir promouvoir le commerce équitable, même un commerce équitable, dans une démarche aussi de plaidoyer, pour faire changer le commerce international. Et après, j'ai vu qu'il y a aussi une question... sur les dons, mais ça, c'est la question était plus spécifique sur, il y a aussi des études il y a quelques années qui montraient que plutôt que de financer des ONG pour faire des projets, il était peut-être plus efficace finalement d'envoyer directement l'argent aux personnes pour qu'elles gèrent elles-mêmes ces fonds et qu'elles mettent en place leur projet. Donc voilà, c'est vrai. Je sais pas, on n'a peut-être pas le temps de faire la discussion ce soir là-dessus. D'accord, merci. Je vais de faire une petite publicité, mais à bon usage, vous allez voir, c'est que Via le Monde et le service international du département organisent chaque année un marché de Noël équitable et solidaire qui s'appuie sur les acteurs du territoire et notamment, on a par exemple la coopérative Andine qui a Stein, mais beaucoup d'associations qui soutiennent des coopératives de productrices d'huile d'argan, par exemple, de produits de beauté, et puis des acteurs des circuits courts de la Seine-Saint-Denis, des entrepreneurs qui sont labellisés, puisqu'on a aussi le label In Seine-Saint-Denis, qui viennent vendre leurs produits. Cette année, hélas, on devait organiser ce marché sur le parvis de la préfecture de Bobigny, ça n'a pas pu se tenir. Donc, je voudrais dire qu'on va le faire en ligne, enfin, en tout cas, on va essayer de proposer ces produits en ligne en mettant sur notre site début décembre un catalogue renvoyant au site des associations, des organisations de commerce équitable qui proposent des produits à la vente en ligne. Le site s'affiche en bas, donc merci Valentin. C'était pour dire qu'on peut continuer encore malgré le contexte à essayer de promouvoir ce commerce équitable qui est très important. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je peux...
Valentin, si tu es d'accord, on peut passer. Ah, pardon, s'il y a une question qui vient d'arriver, est-ce qu'on a le temps ? Oui, oui, on a le temps, on peut la prendre. Ok, super. Alors, c'est Jean-Marc. Est-ce que la crise peut être l'occasion d'une plus grande implication des personnes du Sud dans la définition des orientations stratégiques d'organisation de solidarité internationale ? Comment leurs organisations de solidarité internationale peuvent favoriser cela en impliquant davantage les migrants ici, par exemple, ou en écoutant davantage les revendications collectives là-bas ? Quelle stratégie collective pour redonner du pouvoir au local face aux multinationales et aux États-nations ? Voilà, donc c'est une grosse question. Est-ce que Gérald, Gus, vous avez quelques éléments de réponse ? Mais c'est le défi. Disons, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le partenariat, c'est de construire des rapports d'égalité quand on part de situations inégales. Donc, on part de situations inégales parce que on est dans des pays dans lesquels les moyens ne sont pas les mêmes, les formes d'intervention ou d'expression ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment on fait pour construire des rapports égalitaires ? Bon, c'est ce que les associations de solidarité internationale essayent de faire de deux manières. D'une première manière, ça je peux en témoigner par exemple au niveau du CRID. Au niveau du CRID, au départ, il y a eu une évolution extrêmement forte. Parce qu'au départ, on n'était pas. Vous savez, la première fois que le CRID a défendu un slogan général, c'était donne-moi un poisson, je mangerai un jour. Apprends-moi à pêcher, je mangerai toujours. Et puis, on s'est rendu compte au bout de quelques temps que, effectivement, ça ne marchait pas. Et ce sont des partenaires du Sud qui ont mis en avant deux proverbes africains d'ailleurs. Un premier proverbe africain, c'était « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Et que donc, une construction de rapport construite sur l'aide, ça ne fonctionnait pas. Et la deuxième, c'est un autre proverbe africain que Nelson Mandela rappelait souvent, « ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous ». Et donc, ça a amené à revoir complètement ce que pouvaient être les rapports de partenariat. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'associations de solidarité internationale, eh bien, le partenariat a permis, finalement, à des associations venant de pays du Sud, notamment, parce que le Sud existe toujours, vous savez. Hein, bon. À des associations venant de pays du Sud, qui étaient des partenaires des associations de pays du Nord, de peser de plus en plus dans le fonctionnement, la réflexion et les propositions des associations des pays du Nord. Voilà. Donc ça, je pense que là, il y a une démarche en cours et cette démarche me paraît effectivement positive. Et puis le deuxième aspect, c'est ce que nous vivons au niveau des forums sociaux mondiaux, au niveau des forums du mouvement altermondialiste. Au niveau du mouvement altermondialiste, bon, ben, je parlais tout à l'heure du Forum social mondial de Belém, et bien, au Forum social mondial de Belém, il y a eu 7000 associations, et les deux tiers de ces associations venaient de pays de ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire qui n'étaient pas du Nord. Et donc, effectivement, je peux vous dire que l'espace commun qui est construit au niveau d'un forum social mondial est un espace complètement égalitaire entre les associations qui sont là, quelles que soient les régions du monde dont elles viennent. Oui. Ouais, je peux peut-être répondre, enfin, en complément, hein, je dirais par rapport à comment les acteurs de la solidarité internationale associent ou s'appuient justement sur les organisations du Sud.
c'est bah, déjà la première étape, c'est de donner la parole en fait. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe aussi, on fait beaucoup d'espace pour donner la parole aux producteurs, aux partenaires, alors qu'on peut, on les invite. Hein. Sinon, après, bah, aujourd'hui, c'est par les moyens techniques des webinaires qu'on essaie de leur donner la parole et à force de leur témoignage et effectivement et du vécu qu'ils partagent, c'est ce qui est important pour pouvoir permettre de mieux rendre compte des situations de ces personnes, mais aussi de montrer ce qui se passe en positif et des alternatives qu'elles arrivent à construire et qu'elles mettent en place avec leur organisation. Et le deuxième niveau, c'est par rapport à ce qui peut se faire lorsqu'il y a des mobilisations à l'échelle internationale, c'est de les soutenir dans leur capacité à se mobiliser avec nous ou avec eux, et pour nous ou pour eux, sur des sujets qui nous concernent tous, hein, en termes de questions de respect des droits humains, de faire changer les règles du commerce international. Et c'est pour ça qu'au niveau du commerce équitable, il y a un bureau de plaidoyer international qui est basé à Bruxelles, qui est le Fairtrade Advocacy Office, c'est le bureau de plaidoyer de plaidoyer du commerce équitable, et qui permet de pouvoir, tant faire se peut, que peser sur et influencer les règles du commerce international. Aujourd'hui, il y a des sujets importants aussi sur les accords de partenariat économique, ou les accords de libre-échange sur lesquels on essaye d'intervenir et de s'appuyer sur la parole des producteurs. Donc c'est une des façons sur lesquelles on peut agir. Et sans transition, il y a une autre question qui était posée sur la cohérence de travailler avec des entreprises comme Bolloré. Alors Bolloré, ça fait référence au transport maritime, à CGM. Après, j'irai là-dessus, nous, on n'a pas le poids pour influencer Bolloré, hein, je veux dire, concrètement, quand vous pouvez représenter peut-être un conteneur sur un porte-conteneur qui en contient 4000 une fois par mois, c'est pas vous qui allez influencer et qui allez créer votre propre flotte de transport. Donc là, à ce niveau-là, l'action va être plutôt sur ça date d'il y a quelques années, mais des campagnes qui ont pu être menées justement sur les conditions des marins sur les navires, d'impacter, discuter, enfin, sur l'entreprise Bolloré, hein, comment ça a pu être fait avec Survie il y a quelques années, voilà. Mais c'est pas le commerce équitable qui a malheureusement la capacité d'influence. Et ça fait longtemps qu'on suit des alternatives de transport écologique à voile, etc. Mais c'est pas tout à fait adapté au commerce international pour l'instant. Donc c'est des voies qu'on suit, mais il n'y a pas d'alternative. Donc, on travaille pas vraiment avec Bolloré. On subit comme tout le monde le mode de transport tel qu'il existe aujourd'hui, comme l'argent tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Pardon, mon micro était débranché. Oui, je disais merci Gérald, du coup, pour ces éléments et aux autres intervenants. Je vous propose qu'on garde, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées, je vous propose qu'on les garde pour la fin, puisqu'on aura un nouveau temps de questions, puisqu'on a encore deux intervenantes qui doivent s'exprimer. Donc, j'aurais peur que si on avait un temps trop long de questions, que du coup, ça limite leur présentation. Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses et en effet, la manière dont la crise actuelle impacte les organisations, c'est vraiment à toutes les échelles. Et dans ce sens, je vais donner la parole à Binta Danfa, donc, qui travaille au service international Via le Monde du département de Seine-Saint-Denis. Et dans ce cadre, Binta, il me semble que vous avez réalisé une étude sur la manière dont la crise sanitaire et donc la crise plus globale actuelle influencer les organisations de solidarité internationale qui travaillent au jour le jour en lien avec le département et plus particulièrement avec le service Via le Monde. Donc, Binta, il me semble que tu nous as aussi transmis une présentation donc que l'on voit en même temps du coup sur le webinaire en direct. Bonsoir tout le monde. Je suis Binta Danfa, donc je suis donc chargée d'une étude au sein du conseil départemental en service international Via le Monde. Donc là, la présentation que je vais faire, ce sera une présentation, enfin un panorama un peu plus local de la solidarité internationale, de comment elle est modélisée en Seine-Saint-Denis.
Et donc, je vais vous présenter donc une étude sur les acteurs associatifs et les pratiques de la solidarité internationale en Seine-Saint-Denis. Donc, cette présentation va être rythmée en plusieurs temps. Je vais commencer par faire une présentation générale avec le contexte, les objectifs, avec la méthodologie que nous avons adaptée pour cette étude. Et je ferai un second temps où je parlerai des hypothèses qui nous ont aidés pour organiser, en gros, le travail d'analyse que nous avons fait. Donc, cette étude est en cours et c'est une présentation intermédiaire que je vais faire aujourd'hui. Donc, depuis 2001, le département de la Seine-Saint-Denis s'est engagé à soutenir les porteurs de projets de solidarité internationale par la mobilisation d'une série de ressources liées au dispositif Via le Monde. Via le Monde, c'est donc le service international du conseil départemental qui fait partie de la direction Europe internationale. Et donc, ce dispositif offre un soutien méthodologique pour le montage de projets, pour la mise en place d'actions de promotion et des projets de solidarité internationale et des formations gratuites sur l'ingénierie projet. Donc, Via le Monde se positionne ainsi aujourd'hui comme un service public garant du soutien politique du département aux associations de solidarité internationale. En addition, le service possède aussi un observatoire qui recense les créations d'associations de solidarité internationale sur notre territoire. Voilà. Donc, au terme de 15 années d'existence, le service a souhaité s'interroger sur les pratiques des acteurs associatifs du département et plus largement sur sa politique publique. Et c'est ainsi que donc est née une première étude sur les acteurs associatifs et les pratiques de solidarité internationale en 2015. Donc, cette première étude a permis de faire un panorama de ce qui se passait sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé donc d'actualiser cette étude pour la rendre, pour intégrer d'autres éléments, notamment des éléments par rapport à la situation à la COVID. Donc, second slide où je parlerai des objectifs. Voilà, merci. Donc, les objectifs principaux de cette étude sont, dans un premier temps, de mieux comprendre les réalités de la solidarité internationale dans notre département, et donc en particulier au regard avec le contexte de la COVID. Il y a aussi la volonté d'identifier d'autres acteurs de la solidarité internationale et leurs actions, notamment parce que, historiquement, le public donc, de Via le Monde, ce sont souvent des associations, donc des OSIM, des associations issues des migrations, et ou des associations de solidarité internationale. Et là, avec donc le conseil départemental a mis en place un appel à agir qui propose des financements pour différents projets. Et donc, dans ce cadre, nous avons vu qu'il y a eu de plus en plus de structures qui n'ont pas vocation à faire de l'international, de la solidarité internationale, et qui se manifestent, qui ont un intérêt donc pour ce déploiement à l'international. Et donc, cette étude va nous permettre d'identifier donc ces acteurs qui ne sont pas dans nos bases de données et de pouvoir voir un peu comment on peut les intégrer, comment on peut travailler avec. Un troisième objectif de cette étude, c'est donc de nous permettre de renforcer et d'adapter notre accompagnement aux besoins des acteurs associatifs pour mener leurs différents projets à bien. Donc, cette étude nous permettra plus globalement d'adapter la stratégie du Conseil départemental, sa stratégie internationale aux réalités locales et de renforcer ainsi notre proximité avec les citoyens du département. Donc, je vais parler de la méthodologie maintenant. Dans la présente étude, le choix a été fait de se concentrer sur l'ensemble des associations du territoire qui sont liées de près ou de loin à la solidarité internationale. Et donc, afin de mieux répondre aux objectifs que nous avons fixés par cette étude, et pour avoir une analyse la plus complète possible, ce travail a été réalisé en deux étapes. Face à un monde associatif qui est donc très vaste, il nous a paru important de mesurer le nombre d'associations de solidarité internationale en activité dans le département. Et c'est dans ce cadre que l'Observatoire intervient, puisque ça va nous servir de source pour pouvoir mesurer donc les créations d'associations dans le département. Donc, dans ce cadre, un premier travail a été essentiellement axé sur la collecte d'informations et de données à partir de publications du journal officiel de la préfecture de Bobigny, donc sur les créations d'associations liées à la solidarité internationale. Dans un second temps, Via le Monde possède une base de données d'environ 800 associations avec à peu près 1300 points de contact et qui sont tous impliqués dans la solidarité internationale.
Et certains de ces contacts ont été donc financés dans le cadre de l'appel à agir. Et nous avons fait donc le choix de recueillir la parole de ces différents acteurs pour faire un point sur leurs pratiques. Et pour cela, donc, nous avons diffusé un questionnaire qui a été mis en ligne du 16 au 22 novembre, qui vient juste d'être terminé, dont peut-être certains d'entre vous qui participaient ont pu répondre. Et donc, ce questionnaire a été axé en différentes grandes questions sur lesquelles va s'orienter cette étude. Dans ce souci aussi d'identifier d'autres acteurs, parce que là, on s'est basé principalement sur notre base de données, on a essayé donc de nous relayer sur les réseaux des villes et les réseaux des services internationaux des communes du département qui ont pu diffuser à leur propre base de données et donc élargir le champ de cette étude. Donc cette réflexion s'appuie également sur deux autres études, une étude sur les populations immigrées en Seine-Saint-Denis qui a été réalisée par le service de l'Observatoire du département sur la population étrangère. Et donc cette étude va nous servir pour analyser s'il y a un lien ou non entre les différents pays d'intervention dans les projets et les populations présentes sur le territoire, populations étrangères. Donc l'étude aussi se base sur la première étude sur les acteurs et les pratiques de solidarité internationale qui va nous permettre donc de faire la comparaison et d'analyser les évolutions des pratiques. Donc, finalement, je vais vous parler des grandes hypothèses de l'étude. Donc dans le cadre de cette étude, nous avons fait le choix d'interroger nos acteurs sur 5 axes majeurs qui ont été préalablement définis par l'équipe. Et donc, ces axes représentent des grandes questions soulevées que donc nous souhaitons répondre dans cette étude. Donc, premièrement, la première hypothèse est que donc, les associations rencontrent des difficultés dans la mobilisation de moyens financiers, humains et techniques pour la réalisation et la réussite de leur projet de solidarité internationale. Donc, ici, cette première hypothèse, nous souhaitons donc voir ici comment ce qui ressort des différents projets qui ont été mis en œuvre et quelles sont les capacités de nos associations. Et on peut le voir sur les 122 réponses, il y a 32 associations qui ne répondent pas au questionnaire sur leurs ressources qui n'ont pas une activité suffisamment structurée pour présenter ces informations. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants et qui vont nous permettre donc d'analyser donc ce point. Et on peut commencer déjà par dire que ce qui ressort, c'est que ce sont des petites associations qui ne sont pas assez armées et qui n'ont pas donc les capacités à mener de projets au niveau international. En second, la deuxième hypothèse est liée donc à la crise qui aurait pu avoir, d'après nous, a eu un impact sur les activités des associations. Et donc, cette hypothèse va nous permettre, enfin, ce point va nous permettre de mesurer l'impact de la crise sur les différentes structures que nous avons sollicité dans cette étude. Et donc, par exemple, à la question « La pandémie de la COVID a-t-elle eu un impact sur vos financements ?», on voit qu'il y a une majorité de structures qui répondent « oui ». Et à côté, quand on essaie de nommer ces impacts, la plupart sont donc l'impossibilité de réaliser des activités ou des manifestations, la chute de cotisations, de dons ou de bénévoles, et des difficultés avec des bailleurs institutionnels. Et donc, ces éléments montrent que malgré les difficultés, malgré les impacts, sur leurs activités, il y a quand même eu une volonté de continuer leur activité. Il y a quand même, les gens ont quand même fait de la solidarité internationale, ils ont juste adapté. Et donc, ça, c'est des éléments qui ressortent de l'étude, mais qu'on va approfondir dans le rendu final. Troisième hypothèse, c'est celle de donc les acteurs associatifs engagés dans la solidarité internationale sont issus de plusieurs milieux. Et donc, cette hypothèse fait référence un peu à l'objectif d'identifier d'autres acteurs. Et on voit donc que, par exemple, 35% des personnes qui ont répondu, pour 35% de ces personnes, moins 50% de leur budget représente l'action internationale. Donc là, on voit clairement qu'il y a une grosse partie des personnes qui ont répondu à notre étude
qui ne sont pas des associations qui font exclusivement de la solidarité internationale. Et on le voit aussi sur le tableau à côté avec donc 48 associations qui se disent des associations locales qui agissent ponctuellement à l'international. La quatrième. Donc oui, l'hypothèse suivante est que donc, les associations ont des difficultés à travailler avec d'autres acteurs. Et donc là, ici, on peut voir, donc cette hypothèse nous permettra de mesurer le lien entre les structures et les capacités de travail avec d'autres acteurs. Donc tout ce qui est lien partenariat, on en a beaucoup parlé pendant ce séminaire. Et il nous paraît donc important de questionner ces éléments. Et par exemple, donc, on peut voir que sur à la question « Votre association est-elle membre d'un réseau ou d'une fédération ?» c'est une petite majorité qui répond que non. Et à côté, on voit aussi que « Avez-vous déjà fait appel à d'autres associations ou acteurs pour participer ou à vous appuyer dans vos projets internationaux ?» On voit qu'il y a une majorité qui répond que oui. Donc, malgré le fait que ces associations, une petite majorité, ne travaillent pas donc en réseau ou en fédération, il y a quand même une forte collaboration des associations entre elles qui travaillent. La question est maintenant, est-ce que cette collaboration est formalisée? Comment se passe ce travail avec d'autres associations? Est-ce que ça donne lieu à du travail entre pairs ou des choses comme ça? Donc ça, c'est des choses qu'on va pousser dans cette étude, qu'on va essayer de voir dans cette étude. Je crois que la dernière hypothèse, voilà. La dernière hypothèse a un lien avec donc, le dynamisme des associations qui traduirait une réalité de la présence des diasporas sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc ici, cette dernière hypothèse, elle fait le lien avec l'étude sur les populations immigrées. Tout début, on voit qu'il y a eu un petit chiffre. Donc le département de la Seine-Saint-Denis a près de 30% de sa population qui est immigrée en 2015. Et donc, c'est quelque chose donc, qui démarque notre département parce que c'est un des premiers départements. Donc, c'est le département qui occupe ce rang avec la plus forte présence de population immigrée dans son ça. Et donc, ça peut se traduire aussi dans les projets internationaux. Et dans cette étude sur les populations immigrées, on a plusieurs tableaux avec des présences de différentes nationalités par ville. Et on va essayer de comparer donc les présences de certaines nationalités par rapport aux réponses par ville. On peut voir par exemple qu'à Montreuil, on a donc le plus gros taux de réponse, entre guillemets, avec 12% de réponse sur le nombre total des réponses. Et peut-être que ça représente donc une partie de cette présence de diaspora, et ça représente aussi peut-être une partie des actions dans les pays, parce qu'on voit aussi dans le deuxième graphique qu'une majorité des actions se passent en Afrique, mais est-ce que cette part de l'action dans les pays représente aussi une vérité, une réalité sur le territoire? Est-ce qu'il y a autant de populations qui sont de telle origine qui sont présentes sur le territoire? Donc tout ça, c'est des éléments qu'on va questionner dans notre étude. Et cette restitution, c'est une restitution intermédiaire aujourd'hui que je fais. Donc c'est sur la base de laquelle nous souhaitons adapter notre accompagnement à Via le Monde au Conseil départemental. Et donc les éléments qu'on a pu dégager nous confortent dans notre volonté d'adapter notre accompagnement. Et on peut voir principalement qu'il y a des éléments qui sont les premières pistes sur lesquelles on va se pencher dans cette étude. C'est par exemple qu'il faut renforcer les liens avec les structures ayant une portée plus internationale afin de consolider davantage les projets, notamment dans l'ingénierie, puisqu'on voit que nos associations, peut-être, ont un besoin, vous parliez des dons tout à l'heure, que c'est peut-être des pratiques qu'il faudrait adapter, il faudrait voir comment transposer ces pratiques-là au niveau international, et donc revoir un peu les pratiques de nos associations, parce que aussi, dans le questionnaire, il y a aussi beaucoup de retours qui sont venus
qui disait que il y a, enfin, avec beaucoup, on a vu qu'il y avait une importance du don, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faudrait travailler dans le futur pour avoir donc des projets optimaux. Donc il y a aussi donc le besoin de maintenir et d'intensifier le soutien au secteur associatif qui, comme on a pu le voir dans ses premiers résultats, qui est donc un secteur assez fragile, qui n'est pas doté totalement qui n'a pas toutes les capacités en son pouvoir pour mener des projets donc internationaux, mais qui donc par notre présence, par notre donc l'accompagnement du service international, pourra donc avoir de telles capacités entre guillemets. Il y a aussi la volonté donc de valoriser sur notre territoire cet engagement international qui est un vecteur de l'interculturalité et du vivre ensemble, qui sont donc des valeurs qui sont promues par le conseil départemental. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Binta pour cette présentation, et vraiment je vous invite toutes et tous à poser vos questions, parce qu'on fera du coup un temps sur cette étude, et puis après on pourra, j'imagine, aussi vous l'envoyer. En tout cas, ce webinaire de toute façon est enregistré, donc on vous enverra également l'enregistrement de ce webinaire et puis aussi les éléments saillants qui en ressortent. Mais avant de faire un temps de questions, du coup, nous souhaitions donner la parole à Bintou Diarra. Donc Bintou Diarra, qui est bénévole pour l'association Mejles, une association qui mène des activités socio-éducatives pour les habitants de Bobigny, mais pas que. Bintou, je vous laisse présenter à la fois les actions de votre association et en quoi, du coup, le contexte actuel a pu à la fois les questionner, et puis aussi quelle adaptation celui-ci a pu avoir pour votre association. Ah. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Bintou, on t'entend. Parfait. Bah, du coup, je me présente, Bintou Diarra, donc ça c'est mon poste. J'étais en visio toute la journée, donc je suis responsable d'un centre social, mais je suis surtout fondatrice de l'association Mejles, qui a été créée donc en 2018 avec trois amis. Donc, on était à l'origine professionnels donc du social, et on a voulu créer une association innovante sur notre quartier. Donc Mejles, c'est une association qui œuvre pour l'ouverture culturelle et éducative sur la ville de Bobigny, mais pas que, donc à l'international également. Donc on a trois volets. Rapidement, je vous explique un peu comment elle fonctionne. On a un premier volet autour du soutien scolaire. On a un second volet autour de l'ouverture culturelle, qui propose des actions culturelles tout au long de l'année. Et un dernier volet autour de la solidarité internationale. Donc le volet autour de la solidarité internationale, il touche principalement le public jeune. Pour revenir un peu sur les projets déjà réalisés, le premier a été réalisé en 2017 à Tanger, le deuxième en 2019 à Tanger, donc qui a été financé par le département. Et cette année, nous sommes sur la troisième édition du séjour Afrique du Sud, qui n'a pas eu lieu, dû à la crise sanitaire. Donc un peu pour revenir sur le projet, donc nous, on devait partir en Afrique du Sud en octobre de cette année. Donc on n'a pas pu y aller pour plusieurs raisons, hein, notamment sur le fait que la crise sanitaire nous a touchés de plein fouet et a beaucoup touché l'Afrique du Sud également. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons, pour le coup, après… lorsqu'il y a eu la crise… Ah, ça a coupé. Alors, du coup, quand la crise a été… lorsqu'on a été en plein confinement, on s'est réunis avec le groupe de jeunes et on s'est dit, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on prolonge notre séjour? Est-ce qu'on annule le séjour? Donc, il a été pris la décision de le reporter à 2021. Et en attendant, on s'est consacré au niveau local. Donc, en fait, on s'est dit, on va faire de la solidarité locale. Alors, la solidarité locale, c'est simple. On a, comme beaucoup d'associations de la ville et du département, on a mis en place un système de distribution de colis alimentaires.
Donc, les jeunes, à l'initiative des jeunes, avec le soutien de la ville de Bobigny, bien sûr. Donc, il y a eu plusieurs distributions par semaine, avec une organisation millimétrée où les jeunes ont été livrés directement les colis chez les particuliers, donc dans le besoin, bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires. Donc nous, ça nous a permis de continuer à lancer une démarche de solidarité avec l'équipe, mais surtout d'œuvrer aussi dans notre propre ville. Donc moi, je dis toujours que la solidarité, elle commence au niveau local pour pouvoir se développer au niveau international. Donc là, on était complètement dedans et ça avait tout son sens pour la suite du projet. Donc ça, ça a été une première partie des actions alternatives. Et la deuxième partie, on a proposé de rénover l'association dont on a eu les clés il y a un peu plus d'un an. Et durant plusieurs semaines, il y a eu des ateliers de rénovation, donc animés par le groupe, ouverts à tous, pour permettre à chacun de s'approprier les lieux et encore une fois de créer une cohésion d'équipe et de rester constant dans l'action. Donc aujourd'hui où on en est, le séjour, donc il va être reporté normalement décembre 2021. Malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ne pourront plus faire partie de l'aventure, mais qui sont toujours bénévoles au sein de l'association, parce que, pour plusieurs raisons, au niveau des études, l'année prochaine, ça ne correspondait pas forcément à une temporalité qui leur permettait de s'impliquer à 100% sur le projet. Après, on a certaines familles qui ont été quand même assez fébriles en disant que la crise sanitaire, on en aura encore pour longtemps. Sachant que la situation au niveau du pays, donc en Afrique du Sud, elle est un peu compliquée en ce moment. On pense que d'ici un an, ça ira mieux. En tout cas, on l'espère. Dans tous les cas, les jeunes ont fait tout pour les accompagner, pour les préparer au séjour. Et comme je dis toujours, il y a un séjour qui est proposé en Afrique du Sud, mais il y a avant tout un projet. Et le projet, c'est de se préparer en amont, c'est de comprendre que lorsqu'on part à l'étranger, il y a toute une démarche, c'est une nouvelle culture, c'est un partenariat en plus qui est très ancré. Donc, on a l'occasion de participer à plusieurs ateliers avec des enfants issus d'un orphelinat. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience qui est très, très riche et très, très forte et qui demande beaucoup de préparation. Donc, nous, on est en tout cas pour l'instant dans cette démarche-là. Je ne sais pas si c'est possible de faire partager les photos ou pas. Bon, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. L'idée, c'était que vous puissiez aussi avoir quelques photos des actions portées par les jeunes. Donc, j'en profite, bien sûr, pour remercier le département, remercier tout le service via Le Monde, bien sûr, pour l'accompagnement, le soutien depuis toutes ces années. Et surtout, tous les bénévoles de l'association, car on est une association qui est gérée uniquement par des bénévoles. On est tous professionnels et on donne un peu de notre temps. Et l'implication de tous ces jeunes volontaires et engagés au service des autres. Donc, voilà. Merci. Merci pour cette présentation. Et je propose que, du coup, on ait une série de questions. De toute façon, il nous reste 25 minutes d'ici à la fin du webinaire. Du coup, on aura l'occasion de revenir aussi avec toi et avec les autres intervenants, du coup, sur la formation que vous menez, comme sur l'étude. Ah, je crois qu'il y a un petit problème d'écho. Mais j'en profite pour donner la parole à Magali. Oui, alors il y a un certain nombre de questions auxquelles peut-être que j'aiderai Binta à répondre d'ailleurs, puisque Binta est avec nous depuis quelques mois. Combien y a-t-il d'associations de solidarité internationale en Seine-Saint-Denis? Comment travailler la réciprocité dans l'échange et les projets de coopération? Ça, c'est un commentaire qui dit que c'est plus difficile d'apprendre, c'est plus compliqué d'apprendre à recevoir que d'apprendre à donner. Et une question qui demande si les associations du département se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Je pense que Bintou vient partiellement d'y répondre, mais peut-être Bintou, sur cette question, tu pourras peut-être dire comment vous sensibilisez à ces enjeux de solidarité internationale. Ensuite, il y avait une question sur quel rôle des diasporas dans la solidarité internationale,
notamment à travers les organisations de solidarité internationale, quelle implication, quel rôle des diasporas. Et puis, aussi une question par rapport à l'étude du service international Via le Monde. À part le journal officiel du département, avez-vous pu faire la liste des associations de solidarité internationale existantes en Seine-Saint-Denis ? Avez-vous utilisé d'autres moyens ? Et d'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui dit que l'intervention était très riche et qui a permis d'avoir un regard plus profond sur la réalité des associations du département. Et un commentaire vis-à-vis, je pense, de Mejles, de l'association AGE, qui travaille à Goudiri au Sénégal et qui dit « Je souhaiterais que vous élargissiez dans d'autres pays, notamment le Sénégal, pour lutter contre la fixation des jeunes dans leur pays. Et pour ça, il faut aider les associations actives à le faire. » Est-ce que, du coup, sur les associations de solidarité internationale, Binta, tu veux commencer peut-être à répondre? Je peux aussi prendre la main, hein, si... Alors, Binta ou Bintou? C'est quelle question? Parce que j'en ai entendu plusieurs. Alors, là. Combien y a-t-il d'associations de solidarité internationale qu'on a répertoriées? D'accord. Dans le cadre de l'étude, nous avons donc fait un travail sur le nombre d'associations de solidarité internationale. Donc, l'effectif, vous le trouverez dans l'étude une fois qu'il sera publié. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre nos informations, vous serez au courant de ce nombre. Moi, si je peux peut-être amener un petit complément d'information, en fait, on a depuis la création du service international Via le Monde, on a mis en place l'Observatoire de la solidarité internationale du département, qui est géré par une collègue qui s'appelle Pascal et qui répertorie toutes les associations portant sur l'international déposées en préfecture à Bobigny. Et effectivement, avec la ville de Paris, la Seine-Saint-Denis, c'est le deuxième département où il y a le plus de créations d'associations de solidarité internationale. Ça dépend des années, hein, en général, il y a des années comme ça où il y a plus d'assos qui se créent, donc il y a plus d'associations de solidarité internationale. Mais en général, on est aux alentours de 20% d'associations créées chaque année qui portent sur l'international. Donc, c'est beaucoup. Ça représente un tissu associatif qu'on estime entre 2000 et 3000 associations. Mais comme vous le disiez, Binta, dans l'étude, on a aussi beaucoup d'associations qui, comme disait Gus, font de la solidarité internationale comme l'extension de la dimension locale de la solidarité, ou comme tu disais, Bintou. Et donc, c'est vrai qu'on est, on est vraiment dans cette idée que finalement, on fait de la solidarité internationale à partir du local. Et c'est ce que nous, on essaye d'accompagner, ce qu'on appelle la citoyenneté mondiale des habitants du département. Donc, évidemment, peut-être pour répondre à la question des diasporas, elle s'appuie beaucoup sur les organisations des diasporas, ce qu'on appelle les organisations de solidarité internationale issues des migrations. Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'elles ne se reconnaissent pas comme telles. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait assez intéressant d'interroger cette catégorie d'acteurs. C'est vrai qu'il y a un mouvement qui existait autour du GRDR, autour d'un certain nombre d'associations qui ont appuyé ce qu'on appelait le processus de co-développement, d'être acteur de son territoire d'accueil et acteur de son territoire d'origine. Et c'est vrai que ça représente une grosse partie du mouvement de solidarité internationale. Pour autant, on voit que la cartographie des origines des populations immigrantes Seine-Saint-Denis ne correspond pas forcément aux territoires les plus... où il y a le plus de solidarité internationale. Un exemple, c'est que la première communauté, c'est la communauté algérienne.
donc de personnes nées algériennes en Algérie, résidant en Seine-Saint-Denis, et qui a moins de peut-être pour des raisons historiques, diplomatiques, en lien avec, avec la colonisation dont, dont tu parlais, Gus, il y a moins d'associations qui vont porter des projets de solidarité internationale en Algérie. Là, on est plutôt sur des projets culturels. Et c'est aussi ce qu'on arrive à percevoir dans l'étude, c'est que de plus en plus, c'est vrai que depuis qu'on a lancé l'appel à agir, donc il y a une enveloppe de 168 000 euros, hein, c'est pas beaucoup hein, pour soutenir autant d'associations. On a trois axes de soutien. Le premier, c'est les projets de développement, justement de co-développement, de solidarité internationale. Le deuxième, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et ça, c'est là où on a mis le plus gros paquet, parce qu'on se dit qu'il faut soutenir ce qu'on peut faire d'ici qui peut changer le monde. Et donc ça, c'est voilà, c'est une évolution comme ce que disait l'éducation à la citoyenneté, la solidarité internationale. Nous, ici, on a appelé ça l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et effectivement, il y a beaucoup d'associations qui portent des actions dans ce champ-là. Et le troisième axe, c'est la mobilité des jeunes, voilà, qui permettent à des associations d'aller monter des projets de rencontres autour d'enjeux communs. Voilà, donc pardon si j'ai répondu au lieu de faire la modération. Je vais peut-être reposer les questions qui étaient en cours, notamment comment est-ce qu'on sensibilise sur ce qui se passe ailleurs, la question de l'éducation à la solidarité internationale peut-être pour Bintou, voir comment vous travaillez ces questions avec vos jeunes. Et puis peut-être la question aussi pour Mejles, de comment travailler peut-être en lien avec le Sénégal, puisqu'il y avait une demande importante de l'association AGE de dire qu'il faudrait travailler aussi avec les jeunes sénégalais, que vous avez le projet de travailler avec eux. Alors, du coup, pour rebondir à la question sur l'association sénégalaise, on est complètement ouvert, bien au contraire. Notamment en recherche de partenaires fiables sur le terrain. C'est hyper important, c'est ce qui fait la force du projet, bien sûr. Donc, à l'occasion, il ne faut pas hésiter de nous laisser un message sur notre Instagram, Association Mejles, ou sur Facebook, et on vous contactera prochainement. Sinon, au niveau des enjeux de la solidarité internationale, comment est-ce qu'on accompagne, en tout cas, on accompagne en tout cas les jeunes à la solidarité. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Finalement, dans les quartiers populaires, la solidarité, elle se fait au quotidien. Là avec nous, en tout cas, la démarche que nous travaillons, c'est quelque chose de plus formel. C'est quelque chose de plus construit, avec tout un travail d'évolution. Mais finalement, lorsqu'on travaille avec les jeunes, on voit qu'au quotidien, ils aident des voisines. Souvent, il y a déjà beaucoup d'entraide. Sauf que ce n'était pas formalisé. On l'a très bien vu là, pendant la crise sanitaire. Les premiers à avoir véhiculé justement cet élan de solidarité, c'était dans les quartiers populaires. Donc voilà, nous, avec Mejles, on a la chance d'avoir des professionnels compétents, disponibles et qui sont très engagés dans ces questions-là. Du coup, on les accompagne dans une vraie évolution et c'est ce qui est intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste quand même très ouvert. On n'est pas figé sur des jeunes du département. On a déjà ouvert à des jeunes qui venaient du Val-de-Marne. On est aussi beaucoup dans cet échange aussi un jeune d'une autre ville peut apporter à un jeune de la ville et vice-versa. Voilà, je pense que ça aussi, c'est une force chez nous. D'accord. Merci. Dans quelle mesure Via le Monde peut accompagner une association dont les projets internationaux sont très ponctuels et arrêtés avec la crise sanitaire? Donc peut-être que du coup Il y a aussi une remarque d'un collègue qui dit que le débat devrait passer sur BFM TV ou CNews pour qu'il voit un petit peu ce que c'est que la richesse de la Seine-Saint-Denis et arrêter de dire que nous sommes des sauvageons.
Très juste remarque. Je me permettrai du coup de répondre sur la possibilité d'appuyer des projets ponctuels. En fait, comme vous l'a dit Binta, on essaie toujours d'avoir cette réflexion autour du partenariat et d'accompagner les associations dans ce sens-là aussi pour co-construire leurs projets. Et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on essaye de pas soutenir que des projets ponctuels, même si c'est arrivé, mais vraiment d'être sur des projets dans la durée. Ou à chaque fois, on essaye aussi d'amener l'association à agir ici, en Seine-Saint-Denis, pour parler un petit peu des enjeux qu'elle porte dans ses projets. Par exemple, on relaie au niveau de la Seine-Saint-Denis le festival alimentaire, qui cette année avait un poids assez important, puisque avec tous les enjeux après la Covid, il nous a semblé important de travailler sur ces questions de souveraineté, d'autonomie alimentaire. Donc, on a conduit des parcours dans les collèges autour des projections de ces films qui parlent de la souveraineté alimentaire, des paysans, notamment des paysans en Afrique de l'Ouest, mais aussi de systèmes alimentaires autonomes, par exemple la FES au Maroc. Et on essaye justement d'accompagner nos associations pour qu'elles puissent être porteuses de ce genre de messages, en plus d'être dans des projets ponctuels ou d'aide humanitaire. Bien évidemment, vu le contexte, on va soutenir sans doute des projets qui sont plus de l'aide d'urgence. Et ça, je crois que c'est aussi une dynamique que le CRID a pu observer dans les évolutions de la solidarité internationale. C'est que pendant la Covid, on faisait plutôt de l'aide des projets sur la durée, puis finalement on s'est mis à faire de l'aide d'urgence parce que réellement il y avait un contexte d'urgence. Donc je pense qu'il faudra qu'on inclue ça dans notre programme de formation aussi, puisque c'est pas toujours évident aussi de faire de l'aide d'urgence. Mais en tout cas, si vous voulez être accompagné du coup pour cette personne, il suffit d'écrire à vialmonde@seine-saint-denis.fr et vous pouvez avoir un rendez-vous avec un de nos collègues qui vous accompagnera très bien pour le montage du projet. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une réflexion d'une productrice au Liban. Le commerce équitable m'a permis de me relier au monde et rester vivre dans mon village. C'est Gérald qui nous partage cette réflexion. Il y a quelqu'un qui a répondu à la question de la dame qui a demandé pourquoi lutter à la fixation des jeunes dans leur pays. Il me semble qu'il faut travailler à les aider à se fixer. Donc ça, c'est un peu, peut-être, je ne sais pas si vous voulez répondre, Bintou, à cette question, ou peut-être même Gérald ou Gustave Massia, cette question de se dire, est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes quittent pas leur pays, ou est-ce que justement, on se dit que tous les jeunes ont droit à la mobilité et on travaille sur la mobilité des jeunes sénégalais comme des jeunes français? C'est une vraie question. Nous, quand on accueille des jeunes en Seine-Saint-Denis, on essaye qu'il y ait une réciprocité. Bien sûr, les questions de visa sont toujours compliquées, mais voilà, je ne sais pas, Bintou, comment vous vous positionnez, vous qui êtes beaucoup parti à l'étranger. Est-ce que vous avez accueilli aussi à Bobigny des jeunes d'ailleurs dans le monde? Non, malheureusement, on n'a pas encore accueilli de jeunes d'ailleurs. On a pour projet, en tout cas, on espère dans un avenir très proche, pouvoir accueillir quelques jeunes de l'association Malaika Orphanet, justement, d'Afrique du Sud, donc de Johannesburg. Alors, concernant la fixation des jeunes dans leur pays, je pense que c'est un grand sujet qui va commencer déjà par un travail qui doit se faire au niveau de l'Afrique. Parce qu'effectivement, quand on voit tous ces naufrages, c'est juste horrible. On parle des jeunes, mais parfois, il y a des enfants de bas âge, voire même des bébés. Et faut savoir, quand on a travaillé, on a eu l'occasion à Tanger de travailler avec une association justement qui travaille avec des jeunes qui souhaitent traverser hein, et pouvoir venir en Europe. Du coup, ils ont tout un projet de leur proposer des formations, voilà, c'est tout un travail de réinsertion, je pense, qu'il faut faire. Et de leur dire qu'au niveau, local, pour eux, ils ont la possibilité de pouvoir trouver du travail. C'est ça qui fait qu'ils ont envie qu'ils partent vers un avenir meilleur, selon eux, s'ils arrivent à destination, bien sûr. Donc, c'est un vrai travail.
Et je pense que malheureusement, on aura beau montrer les images horribles, on aura beau avoir des discours, malheureusement, c'est bah, les gens, je ne sais pas, ils ont envie de traverser. Si jamais il y a des, voilà, il y a des possibilités de faire en sorte à ce qu'il faut, à ce qu'on puisse arrêter tout ça, je serais preneuse justement d'avoir, d'avoir des solutions. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'en ai pas. Et je. Oui, oui. Bien sûr, Gus, j'allais te. J'ai vu que tu avais levé la main, du coup, je vais te laisser intervenir sur ce point qui, en effet, est complexe, il me semble, pour l'ensemble des associations de solidarité internationale. Bon, en fait, ce que nous avons appris, c'est que aucun droit ne répond complètement à une situation et ne résout complètement un problème. Et donc, ce que nous avons appris, c'est qu'il y a des droits qui paraissent parfois contradictoires, mais qui sont en fait complémentaires. Et donc, c'est ce que je vais illustrer. Je me rappelle quand, il y a beaucoup d'années, quand il y a eu le mouvement des paysans du Larzac, ils avaient beaucoup développé une idée pour le droit de vivre et travailler au pays. Et donc, c'est un droit. Le développement, ça, c'est aussi le droit de vivre et travailler au pays. Il est complémentaire d'un autre droit, c'est le droit de pouvoir circuler librement. Ces deux droits ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Je me rappelle qu'une fois, Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, avait reçu le maire de Caille. Et il lui avait dit, monsieur le maire de Caille, dites à tous ces jeunes qu'il faut rester dans leur pays. Et le maire de Caille avait dit, on ne dira jamais assez l'importance pour un jeune de partir pour aider son village. Donc, vous voyez, il ne faut pas partir sur une idée comme quoi, voilà ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir des droits. Et d'ailleurs, il y avait une citation d'une étude que nous avions faite sur les banlieues qui était très intéressante et qui était, un jeune qui avait dit « Le droit de rester est inséparable du droit de partir. L'envie de rester est inséparable du droit de partir. » Donc, il faut répondre aux deux questions et il faut effectivement construire le droit de vivre et travailler au pays, c'est un des droits fondamentaux du développement, et construire le droit de circuler librement. Merci Gus. Il y a une dernière question pour Bintou Diarra. Le volet culturel de l'association Mejles s'exporte-t-il à l'international, même pendant la crise ? Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Ah, il voit la question. Ouais. Oui, il s'exporte, bien sûr. Alors, il s'exporte, par exemple, pour les droits alimentaires. On a eu l'occasion de récolter aussi des fonds qu'on a envoyés à notre partenaire sur place en Afrique du Sud. Et puis, ils ont pu faire des courses et faire une distribution aussi sur place au nom de l'association. Donc, on passe par des intermédiaires pour qu'ils puissent agir à notre place. Bien sûr, des partenaires fiables et qui ont la possibilité de porter le projet en notre absence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire pendant la période de Covid. Merci Bintou pour cette précision. Je vous propose qu'on conclue ce temps puisque l'heure file et il est quasiment 20h. Donc, je voulais remercier l'ensemble des intervenants, donc Gustave Massia, Binta Danfa, Gérald Gaudreuil pour la Fédération Artisans du Monde, Abdel Sadi et Bintou Diarra. Je remercie également le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui co-organise avec le CRID ce webinaire. Et je voulais aussi en profiter pour rajouter quelques éléments donc, sur ce webinaire qui aussi s'inscrit dans le cadre de la réflexion menée par l'Université d'été
des mouvements sociaux, cette université d'été qui devait rassembler plus de 300 organisations organisatrices à Nantes en août 2020, a été décalée pour cause de la COVID-19, mais elle aura lieu donc à la même période, fin août 2021. Et l'enjeu, c'est d'en faire un grand temps pour les mouvements sociaux, les organisations écologiques, les organisations de solidarité internationale, féministes, antiracistes et écologiques. Et dans ce cadre-là, on mène toute une série de webinaires, puisque j'ai envie de dire, c'est un peu tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle au niveau de débats, même si on aurait préféré organiser des débats physiques. Mais on continuera ces discussions sur la solidarité internationale en temps de Covid très prochainement. Donc, je vous invite à suivre la page UE Solidaire. Nous vous enverrons, donc toutes les personnes qui se sont inscrites, nous vous enverrons dès demain le lien du coup pour pouvoir revoir ce webinaire en ligne. Et on vous enverra également très rapidement un compte-rendu synthétique avec les éléments saillants et aussi toutes les associations qu'on a pu vous présenter, ainsi que, j'imagine, l'étude qui a été présentée lors de ce webinaire par Binta. Voilà. Et je profite aussi pour remercier Magali, du coup, qui a été d'une forte aide pour l'ensemble des questions et aussi pour sa présentation et ses compléments faits au sujet de la Seine-Saint-Denis. Et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et à très vite. Merci.